Je vous propose maintenant d'envisager le passage à la diffusion de la technologie Frogan sous le prisme de la promotion, donc un des trois P d'OP3FT, de la mission de l'OP3FT. Pour cela, je donne la parole à Philippe Collin, responsable de l'aide à l'innovation. Merci Jean-Emmanuel. Bonsoir à tous et bonsoir à ceux qui nous regardent en direct. Effectivement, l'un des trois P, d'ailleurs, c'est le premier. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Donc, le P de promotion, parce qu'une technologie qui n'est pas utilisée ou qui n'est pas rendue populaire, j'allais dire, dans l'écosystème, ça ne sert à rien, tout simplement. Donc, en fait, la promotion, c'est central. C'est vraiment favoriser la connaissance de la technologie Frogans et son utilisation et le fait de tirer un parti. Hein, il faut que l'écosystème Internet tire un parti de cette technologie Frogans, et c'est notre rôle à la promotion. Alors, un rapide rappel pour ceux qui ne s'endorment pas le soir en relisant les statuts de l'OP3FT, c'est mon cas, les quatre vecteurs d'action de la promotion de l'OP3FT, c'est bien la création de ressources pratiques. Qu'est-ce que c'est que ces ressources pratiques? Ben, simplement, ce sont des documents écrits, des vidéos. Par exemple, les vidéos qui sont en train d'être retransmises maintenant en direct et qui seront postées dans quelques jours sur la chaîne YouTube de l'OP3FT. Ça, ce sont des documents disponibles à tous, gratuitement, et qui vont aider l'écosystème à comprendre la techno Frogans et à pouvoir en tirer parti. Donc ça, c'est les ressources qu'on appelle les ressources pratiques. Et puis, comme dans tout groupe humain, il faut bien aller à la conquête, entre guillemets, à la rencontre de ces membres de l'écosystème. L'écosystème Internet, on en a vu une partie dans le cône que nous a montré Alexis tout à l'heure. Hein. On a, suivant le degré où on est à 1000, 18 millions, ou 180 millions, ou 3 milliards de personnes, c'est beaucoup. Enfin, il faut quand même aller vers eux, c'est-à-dire aller là où ils sont. Ils sont dans leur pays, ils sont dans des lieux où il y a des conversations, c'est-à-dire des conventions, des salons, alors de tout type, hein, d'ailleurs, des conventions techniques, des salons business, des lieux juridiques, enfin des simples, des conventions juridiques aussi. Donc on sort de notre périmètre de sécurité, périmètre de confort, l'OP3FT, on va rencontrer ces membres de l'écosystème à ce moment-là. Et puis évidemment, du coup, on va susciter des questions, il va falloir y répondre. Donc ça, c'est la réponse aux questions. Ça se fait très simplement, soit en direct, et je serai ravi de répondre aux questions qu'on nous posera aujourd'hui, ce soir, ou bien par les listes de diffusion, ou bien par des moyens très simples comme l'email, le téléphone. Voilà, simplement, évidemment, la techno Frogans, avec son pouvoir de disruption, amène des questions, et il faut pouvoir y répondre. Le quatrième point, évidemment, c'est la facilitation de la rencontre entre ces parties prenantes. Alors, on a un exemple ici, donc on a des membres de l'écosystème Internet qui viennent se rencontrer, mais ça peut être aussi dans des lieux tiers. On a été sollicité pour des événements comme des hackathons où des membres de l'écosystème se rencontrent. Voilà. Donc là, une présentation en général, disons, du rôle de la promotion, et que je vais maintenant replacer dans le contexte, d'abord avec un petit historique. Alors, hop, ça marche, voilà. Voici quatre points. Donc, vous vous souvenez, donc, le dernier point, c'est les rencontres de l'écosystème. Hein, essentiellement, depuis maintenant 8 éditions, puisque celle-ci, c'est la FTC 8, la Frogans Technology Conference permettait aux membres de l'écosystème de se retrouver. Alors, on a fait des thèmes différents pour pouvoir bien communiquer, par exemple, un avancement de la technologie, la sortie de Frogans Player, la première version d'FSDL, les résolutions d'adresse, ainsi de suite. Donc, on a cherché des thèmes qui puissent parler aux membres de l'écosystème. Alors, je suis conscient que quand je dis les membres de l'écosystème, c'est très vaste. Hein, donc, et oui, fatalement, la techno Frogans est complexe, et donc elle n'est pas uniquement pour une catégorie des membres de l'écosystème, elle a potentiellement un impact sur tous les membres de l'écosystème Internet. C'est la difficulté et aussi le plaisir de notre travail. On a aussi, dans les deux dernières années, participé
à des campagnes, pour mener des campagnes de sensibilisation auprès des titulaires de marques. Vous vous souvenez que un des premiers milestones de l'introduction de la Technofrogan, c'était le fait qu'on puisse réserver des réseaux. Eh bien, on a participé à l'INTA, on a eu beaucoup de rendez-vous avec des marketeurs, avec des gens qui possèdent des marques et qui veulent la faire fructifier. On a organisé des workshops où des tutelaires de marques du monde entier pouvaient donc s'adresser directement à nous sur des sujets particuliers, la résolution de disputes, l'enregistrement d'adresses, et ainsi de suite. Donc il y a eu un gros travail de fond, de contenu, et à chaque fois c'est un travail différent, j'allais dire, puisqu'on s'adresse à une section de l'écosystème différente. On a participé, j'allais dire, physiquement à des événements mondiaux. Là, une petite liste, hein, l'ICANN, l'INTA, le Forum international de la cybersécurité et d'autres, qui sont évidemment des moments privilégiés pour avoir une relation. On a beau être dans le monde de la technologie, ça reste quand même un business humain, c'est-à-dire que j'aime bien comprendre quelle a été l'intention du designer, et le designer aime bien comprendre quel est le cheminement de l'utilisateur. Donc il y a vraiment la rencontre, c'est important, c'est même crucial pour pouvoir échanger des points de vue différents. Et donc nous, à la promotion, on est allé s'immiscer dans ces endroits de conversation, hein, simplement. On s'invite, si on peut dire. Voilà. D'ailleurs, on y parle régulièrement. Et puis, tout à fait récemment, on a pris aussi, avec la convergence de FSDL vers une forme stable, on a pris l'initiative d'aller propager la bonne parole auprès d'une population qu'on appelle les early developers, c'est-à-dire les gens essentiellement techniques qui mangent de l'HTML au petit déjeuner, qui déjeunent à coup de JavaScript et qui font du CSS dans l'après-midi. Ben ceux-là, ils ont clairement une orientation d'esprit, en tout cas un type d'expertise qui nous intéresse pour pouvoir valider l'approche de FSDL. On en a parlé avant. On va continuer à le faire éventuellement, mais notre tâche quand même se simplifie avec le verrouillage de FSDL. Donc, d'ailleurs, c'est là où on en est aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qui est nouveau ? Ben évidemment, on verrouille FSDL. Et là, je dis ouf, ah, enfin, c'est bien. On va pouvoir se lancer, j'allais dire, à l'assaut du monde. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'avant, et ça sera le cas encore quelques semaines, j'ai bien compris, on nous a dit le 31 octobre à valider. Mais le point intéressant, le point crucial ici, c'est qu'on va enfin pouvoir parler à des développeurs et leur dire, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, développez des sites Frogant aujourd'hui, vous aurez la garantie qu'ils seront disponibles et visitables et accessibles tels quels, sous réserve d'avoir une adresse évidemment, mais pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ça, ce n'est pas une promesse qu'on peut faire facilement. Hein. Ce n'est pas une promesse qu'on pouvait tenir jusqu'à présent. D'ailleurs, je salue tous les développeurs qu'on a rencontrés à droite, à gauche, en Afrique, en Chine, au Japon, en Europe, évidemment, aux États-Unis, j'en passe et des meilleurs, à qui on a passé le message en disant « Voilà, FSDL, c'est un langage en construction. Pour ceux qui aiment le fromage, c'est l'affinage. Hein, voilà. Il prend du goût, il a un peu de texture. Voilà, et à un moment, on va verrouiller. Et ce moment arrive. Voilà. Donc, avec ce moment fort, vient aussi un besoin fort. Et le besoin fort, évidemment, c'est de dire comment on s'adresse à ces millions de personnes. Et je dis millions pour ne pas dire milliards, mais on va rester dans la zone du cône qui se limitait aux populations techniques. Rappelez-vous, 18 millions de développeurs web, d'ingénieurs, de développeurs de logiciels et ainsi de suite qui travaillent pour les éditeurs. On ne va clairement pas pouvoir leur parler un par un, donc il va bien falloir favoriser, susciter, catalyser, si on veut dire, la création de ressources faites par d'autres. Hein, ça, je ne vais pas te dire, nous sommes l'expertise de référence en FSDL, donc nous allons créer des tutoriels pour apprendre au monde entier à utiliser FSDL. C'est pas comme ça que ça marche. D'abord, il y a 10 millions de... Enfin, 10 millions. Il y a énormément de types de tutoriels différents. C'est une tâche énorme. Et puis, en plus, il y a des particularités
culturel, hein, à droite à gauche, ceux qui veulent faire des tutoriels plus courts, d'autres plus longs, dans leur langue naturelle, dans leur langue maternelle. Donc il s'agit vraiment de susciter cette création de ressources. Et j'ai dit une tutoriel, mais ça pourrait être aussi des livres. Hein. Imaginez, vous allez dans un libraire parisien ou dans le rayon informatique et vous allez pouvoir trouver des livres. Alors, j'ai sauté des noms, mais je crois que c'est une marque, mais le EFSDL pour les nuls. Bon, alors évidemment, ce n'est pas nous qui allons écrire ce livre, mais en revanche, il y a des éditeurs, des auteurs qui sont intéressés parce que c'est leur business. C'est comme ça qu'eux vont non seulement accroître leur notoriété, mais aussi et générer du revenu, tout simplement. Donc, imaginez ce libraire parisien, il y a le même à New York, il y a le même à Sao Paulo, pardon. Et donc, fatalement, il va falloir insuffler et susciter ce besoin de création, de création de ressources par d'autres. Évidemment, le libraire physique, c'est un exemple, mais il y a encore plus, j'allais dire, les ressources en ligne, hein, évidemment. Donc, des tutoriels, des outils auteurs, des choses comme ça. Voilà. Hop. Donc, nous voici à l'aube de la diffusion. Notre rôle change, le rôle de la promotion change, évidemment. Et on va se fixer des priorités. Priorités, c'est en toute logique, après l'exposé de la stratégie par le cône, on va se concentrer sur la base du cône. Hein, c'est là où il y a le plus petit nombre, la plus grande concentration d'effets de levier. Ce sont ces clubs de développeurs, c'est-à-dire en fait, les gens qui vont potentiellement pouvoir créer des tutoriels. On va passer par la connaissance, on va passer par l'éducation, on va passer par la curiosité intellectuelle, on va passer tout ça par des leviers humains très simples qui sont de dire, bah oui, what's the next big thing? Alors, personne ne sait forcément ce que c'est que le next big thing, mais tout le monde a envie d'essayer. Donc voilà le premier levier. Comment on va le faire? Ben simplement en allant, en prenant contact avec eux directement, mais aussi en répondant à des invitations à des meet-ups, des invitations à des hackathons. On l'a déjà fait cette année, voir la FTC 7 de juin, on a vu les organisateurs d'un hackathon en Côte d'Ivoire qui nous avaient invités, merci d'ailleurs, hein, et qui sont ensuite venus témoigner sur scène ici. Et donc on va répondre à ce besoin simplement, et on va aussi aller le susciter, on va aussi l'instiller, si je puis dire, en allant par exemple faire des présentations dans des conférences techniques. Pour ceux qui nous suivent, qui sont des développeurs chevronnés, ben, il y a quelques conférences, je pense aux conférences Devox, conférences GoTo, et puis à la nuée de conférences PHP qui ont lieu dans le monde entier, qui rassemblent à chaque fois entre quelques centaines et quelques milliers de développeurs, parfois chevronnés. L'OP3FT, la promotion de l'OP3FT a toute sa place pour aller porter le message dans ces endroits où la conversation technique a déjà lieu. Hein. On ne va aller pas prêcher dans le désert, on va aller le présenter dans les endroits où cette population déjà se rassemble. Donc voilà, les réponses aux initiatives locales, la prise de parole dans les événements techniques. On va aussi continuer à parler au congrès de l'ICANN, à l'INTA et aux autres, parce que c'est grosso modo des moyens simples pour avoir un reach global. Et puis on va, parce que c'est le début de la diffusion, on va changer le format des FTC. Hein. On va essayer d'être plus thématique, d'aller plus en profondeur, et en particulier prendre des thèmes techniques et aller plus au fond, creuser un peu plus, de manière à mieux démontrer la particularité et les bénéfices de la Techno4Games d'un point de vue technique. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous allons faire, j'allais dire dès demain, le 12 octobre, parce que c'est le début de la diffusion, et donc on se réorganise pour pouvoir répondre à ce défi. Merci. Merci beaucoup, Philippe.